dit un jour un vieux maréchal, s'il vous plaît, j'ai un fer qui brinque-balle, remettez-le horizontal. Je sors d'un bal, ah, si vous aviez vu ce carnaval, on n'a rien vu plus que de normal, c'est pour ça que mon fer me fait mal. Ah monsieur, lui dit le forgeron, en faisant la réparation, je m'aperçois tout d'un coup que vous parlez, c'est extraordinaire. Au lieu de traîner dans des endroits si douteux, utilisez donc ce don des cieux, vous serez riche et bien heureux. Que peut faire un cheval qui sait écrire et parler? Il peut faire un tas de choses, par exemple s'exhiber. Mais au lieu de se montrer sous le chapiteau d'un cirque, notre animal prépara l'école polytechnique. Et sans mal, comme si tout cela était normal, le cheval passe à l'écrit, l'oral, et décroche à la timbale. L'institut, appelé à donner son point de vue, dut convenir que, puisqu'il était reçu, il ne pouvait être exclu. C'est ainsi que, petit à petit, il devint ministre et puis décida de fermer pour la vie les boucheries chevalines. C'est alors qu'on trouva qu'il allait un peu fort, et comme tout le monde lui donnait tort, il retourna dans les champs et ne desserra plus les dents.